Arrête, please. Championnat qui a opposé la délégation du Burundi et la délégation du Rwanda. Ça a été un bon championnat parce qu'on a essayé de subdiviser l'équipe, la délégation burundaise en trois équipes qui a croisé le fer avec d'autres équipes rwandaises. Ça nous a permis d'acquérir beaucoup de technique. Avec ce goalball étranger est un sport pratiqué par les malvoyants. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, les malvoyants sont capables de beaucoup de choses. Avec ce sport leur permet de vaincre le stress. Aussi, ça développe l'esprit d'équipe. Donc, ce championnat qui a été le premier pour le Burundi nous a fort impressionnés. Parce que notre délégation n'a pas eu peur. Oui, je suis très content parce que il y a 4 mois qu'on a appris ce sport. Vous voyez, avec 4 mois, le développement de ce sport est très intéressant. C'est un développement louable. Mmh. Qu'est-ce que tu penses de les équipes de Rwanda? Oui, les équipes du Rwanda sont des équipes expérimentées avec beaucoup de techniques. Ça nous a permis aussi de puiser quelques techniques. Donc, arrivé chez nous, nous allons améliorer notre jeu. Le goalball de transport qui est mal connu au Burundi, comme je l'ai dit avant, il n'y a que 4 mois qu'on a appris ce sport. Donc, la population burundaise, donc le public. C'est un sport qui n'est pas connu du public burundais.